Bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. Petit deuxième vlog qui va être peut-être ou je ne sais pas plus court. Ça fait la deuxième fois que je le tourne parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux la fois d'avant. Donc pour répondre à deux questions qu'on me pose parfois. Par exemple, on me pose la question quand est-ce qu'est le prochain live. On me la pose assez souvent, quand est-ce que tu live, quand est-ce que telle vidéo sort, quand est-ce que machin, quand est-ce que truc. Donc, question planning. Je vais essayer de faire un live tous les samedis soirs, je ne promets rien, qui commencerait entre 17h et 18h et qui finirait vers 22h. 22h, 23h, enfin... Après, la fin du live, c'est en fonction de si je suis crevé, si... voilà, enfin voilà. Mais voilà, je vais essayer de faire un live tous les samedis soirs. Je ne promets rien, en tout cas vous serez toujours au courant un jour minimum à l'avance. Dans les événements à venir, hein, comme d'habitude, ce sera écrit, voilà. Pour les vidéos, je tourne en général le mardi soir et le samedi soir aussi. Donc le temps du montage, de l'upload, etc., ça veut dire que ça sort en général le mercredi, le dimanche, voilà. Le temps que ça upload pendant la nuit, etc. Donc voilà, question planning. Ah ça y est, j'ai chopé le virus de killer, j'arrête pas de dire voilà. N'importe quoi. Bon, question planning, c'est fait. Merci à tous, et bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Je suis maintenant à 672 abonnés, je sais pas ce qui s'est passé, ça a explosé juste après le live. Il y a des gens qui sont venus, bon. Bah bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Je voulais faire une vidéo, arriver aux 666 abonnés, faire un screen et tout, et puis faire une vidéo en mode... mais j'ai pas pu. Ça a été trop vite, mais je vais pas m'en plaindre. Merci à tous, et bienvenue au nouveau. Merci aussi à tous les donateurs, tous ceux qui ont donné des dons pendant et après le live, merci. Alors les donateurs, si je me souviens bien, il y a eu Elsagan, merci Killer. Bon bah Killer est toujours là, lui quand il s'agit de faire des cadeaux, de faire des dons, il est toujours là, lui il arrête jamais de toute façon. On a beau lui dire d'arrêter, il arrêtera pas, c'est comme ça. Bon bah c'est tout. Merci à Auguste qui m'a fait aussi un don après le live, merci beaucoup à vous trois pour vos dons. Merci aussi à... j'espère que j'oublie personne. Je l'espère, franchement. Et je ne crois pas. Merci aussi à tous ceux qui m'ont offert des jeux. Merci Gurville pour tous les petits jeux. T'inquiète pas, je ferai bientôt des vidéos dessus. Il faut que je tourne la vidéo sur Evolve et après j'attaque la vidéo sur tous les petits jeux qu'on m'a offert. C'est des petits jeux... vous savez, le genre de petit jeu indé qui va assez vite. Donc je ferai ça sans problème. Donc merci à tous, merci beaucoup, merci. Et voilà, pour en arriver à la question des dons, on m'a posé la question, est-ce que tu as quelque chose pour faire des dons? Est-ce que tu as un lien? Est-ce que tu as un truc genre Streamtip, etc.? Est-ce qu'on peut te faire des dons facilement? J'ai répondu pendant le live, d'où le fait que j'ai reçu des dons, tout simplement. Mais je vais répondre aussi ici, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas forcément vu le live. Donc j'ai créé... alors, pour les dons, anciennement, j'étais sur Tipeee. On avait une page Tipeee. C'était plus pour toute la gaming for fun, pour se payer des serveurs, etc. Le problème de Tipeee, c'est que les dons mettent un mois à venir. Du coup, ça nous chamboule un peu tout, quoi. Par exemple, à l'époque, on avait un serveur 7 Days. Le problème, c'est que on avait les dons pour pouvoir payer le mois suivant du serveur, qui était quand même à 15€ par mois, donc ça coûte assez cher, un serveur. Le souci, c'est que le don, vu qu'il mettait un mois à arriver, le serveur était resté fermé pendant un mois. Du coup, après, bon, bah, le serveur, de toute façon, le serveur 7 Day, on l'a pu. Mais voilà, c'était la galère totale. Du coup, en plus, il y avait des taxes. Du coup, j'ai créé un lien PayPal pour le live. Un lien où il suffit de cliquer dessus, vous avez écrit faire un don, Azarad Gaming for Fun, machin, vous mettez ce que vous voulez, 10 centimes, 20 centimes, ce que vous voulez. Il me semble qu'il n'y a pas de minimum, je suis pas sûr, c'est peut-être 1€ minimum, mais je suis pas sûr, il me semble que vous pouvez mettre moins. En tout cas voilà, il y a ce lien dans la description de toutes mes nouvelles vidéos, il est aussi sur la bannière, l'espèce de bannière
quand vous arrivez sur ma chaîne, écrit Gaming is not a crime. Il y a tous les petits liens, toutes les petites icônes de la boutique Spreadshirt, etc. Il y a aussi maintenant le petit P de PayPal pour pouvoir faire un don. Et je veux aussi souligner un point, c'est que je ne ferai aucune... Mais alors là, je suis catégorique là-dessus. Vraiment, je suis vachement... Enfin voilà, je suis catégorique là-dessus. Je ne ferai aucune, strictement aucune différence entre les dons. Que vous me donniez 100 euros, 50 euros, 10 euros, 30 centimes, vous êtes tous des donateurs. Je ne ferai aucune différence dessus. Ça, c'est clair et net. Sur mes lives, vous ne verrez jamais, mais alors là, jamais, vous ne verrez des trucs... Enfin, je dis ça, mais je crois que je l'avais fait une fois dans mes premiers lives, mais je l'ai vite enlevé. Vous ne verrez jamais les petits trucs top donateurs. Les petites musiques qui apparaissent quand on fait un don, les petits trucs, ça clignote de partout, etc. Jamais vous ne verrez ça, parce que tout simplement, les dons que je reçois, je veux que vous ayez vraiment envie de me les faire, et pas parce que ça fait apparaître un truc ou que ça joue une musique. Je veux pas que vous me fassiez un don parce que, ouais, j'ai fait jouer une musique, machin, non. Je veux que vous me fassiez un don parce que vous avez envie de le faire, c'est tout. Voilà, donc jamais vous ne verrez ça, jamais vous ne verrez des records à battre. Des top donateurs, des musiques, des messages, des trucs qui clignotent pendant le live. Jamais de la vie vous ne verrez ça. Mais alors là, jamais. Ça, c'est un truc, je suis totalement contre. Avant, j'étais un peu moins contre. Mais maintenant, je suis totalement contre ce truc. Franchement, je ne peux pas supporter ce truc. Avant, j'étais un peu plus souple, mais là, c'est terminé. Jamais vous ne verrez ça sur mes lives, voilà. Désolé d'insister là-dessus, mais je veux que ce soit clair. Tous les donateurs sont des donateurs. Il n'y aura pas de gros donateurs, il n'y aura pas de petits donateurs. Comme vous l'avez vu, là, j'ai remercié tous les donateurs sans dire combien ils m'ont donné. Voilà, à chaque fois les donateurs, je les remercierai, mais je ne ferai aucune différence entre eux. Donc, je voulais dire autre chose et j'ai oublié ce que je voulais dire. Bien joué. Donc, ah putain, qu'est-ce que je voulais dire, c'est je m'en mêle encore les pinceaux. Ah putain. Ah non. Ah non. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Oui, donc, quand vous faites un don, tout simplement, vous m'envoyez, pour que je sois au courant que vous m'ayez fait un don, vous m'envoyez un petit message sur Steam, ou un petit message pendant le live, ou un commentaire sur une vidéo, si vous me faites un don hors live, etc., pendant une vidéo et tout. Vous me mettez un petit message en disant, voilà, je t'ai fait un don, tout ça, c'est juste pour que je sois au courant, et vous serez grandement remercié, voilà. Mais il n'y aura aucune différence entre les donateurs. Vous êtes tous des donateurs, vous êtes tous des abonnés, tous des viewers. Il n'y aura aucune stricte foutue différence. Voilà. Voilà. Donc. Donc, je crois que c'est à peu près tout. J'ai fait le tour des questions planning, des questions dons. Je crois que c'est à peu près tout. Donc je vais essayer de faire un live ce week-end, je ne promets rien franchement, mais en tout cas vous serez au courant une bonne journée à l'avance. Mais je ne promets rien du tout, je vais essayer, je vais voir en fonction si je suis libre ou pas, je pense que oui de toute façon. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, c'est fait pour ça, les commentaires. Et je pense que je vais la faire à chaque fois, c'est bien. Et j'y répondrai avec joie, soit dans le vlog suivant, soit dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me parler, voilà, etc. Même si, bon, pas grand-chose à dire, hein, mais si vous avez la moindre question, genre même, est-ce que t'aimes les pâtes au beurre, allez-y, hein, franchement, ça fera du meublage, hein, parce que là, c'est plus possible. Mais bon, voilà. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Encore une fois, merci à tous d'être là. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux donateurs. Je vous fais des gros bisous. Et à bientôt pour de prochaines vidéos sur Evolve, etc. Sur plein d'autres petits jeux qu'on m'a offert. Encore une fois, merci. Et voilà, portez-vous bien. C'était Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde!